Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal à la une de ce mardi 3 juillet. Tout nouveau dispositif inauguré cet après-midi au centre hospitalier de Mayotte. Il s'agit de la salle Mélanie, une salle mettant à disposition du matériel d'enregistrement audiovisuel professionnel et ce dans le cadre d'infractions pénales commises sur mineurs. Il s'agit d'offrir un cadre sécurisant et adapté à l'enfant pour faciliter son expression qui n'est pas toujours verbalisée. Un dispositif qui a pu voir le jour grâce au soutien du Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance dans le cadre de la lutte contre les violences intrafamiliales. Une convention a également été signée entre l'association Mlaisi Mahorais et la délégation à la politique de la ville de la préfecture pour la mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif. Un sujet signé Amina Hariti et Daniel Nderagakwa. Mélanie, c'est le nom de la salle inaugurée cet après-midi au centre hospitalier de Mayotte. Plus qu'un simple nom, c'est une véritable avancée en matière de défense des intérêts des mineurs et plus précisément ceux victimes d'infractions relevant du code pénal. Pour la première fois, nous allons pouvoir avoir un endroit dédié pour les auditions et singulièrement celles qui sont liées aux victimes mineures. Et donc, c'est un élément important. Cette salle Mélanie va combler une lacune. Jusqu'alors, en effet, les mineurs victimes pouvaient être appelés à intervenir dans les différentes phases de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, ce qui avait souvent pour effet d'entraîner des blocages dans le témoignage délivré par l'enfant. Désormais, sa prise en charge sera optimisée, d'autant qu'elle se fera dans de meilleures conditions. L'enjeu, c'est d'avoir un cadre qui ne soit pas un cadre trop contraignant, et d'avoir un cadre un peu plus, je dirais, capable d'accueillir un enfant qui est victime, alors ça peut être victime d'actes sexuels, ça peut être victime d'autres agressions, et lui permettre d'avoir un cadre, je dirais, plus intime, plus confiné, mais plus confidentiel aussi. Un surcroît de confidentialité qui permet aux mineurs de se confier davantage. Cela pourrait également permettre de déceler toutes sortes de traumatismes nécessitant une prise en charge particulière. C'est un outil qui est mis au sein de l'institution hospitalière pour que là aussi, si l'enfant a besoin, il puisse être pris en charge tout de suite par les médecins spécialistes. Imaginons qu'un enfant qui vit ce genre de traumatisme, bah, il peut être pris en charge psychologiquement très rapidement puisqu'on a deux pas de l'institution hospitalière. Ce qui n'est pas obligatoirement la même chose quand vous êtes en train d'interroger un enfant dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Grâce à la salle Mélanie, sera donc désormais possible de prendre en compte la souffrance de l'enfant tout en répondant aux nécessités de l'enquête ou de l'instruction judiciaire. Autant dire que tout est mis en œuvre pour parvenir à la manifestation de la vérité tout en préservant autant que faire se peut les intérêts des mineurs victimes. Depuis plus d'une semaine, une vingtaine de personnes venues de la ville de Le Cossé-le-Vivien sont à Mayotte. Cette visite rentre dans le cadre d'une rencontre initiée par deux clubs sportifs, l'US Meral Cossé et l'USCJ Kungu, dans l'objectif d'échanger sur le plan socio-culturel. Des échanges humains avant tout, puisque l'équipe de Le Cossé n'est pas arrivée les mains vides. Plus d'une tonne de matériel a ainsi été distribué aux enfants de la commune, mais également au club de Kungu. À quelques heures du départ, ce matin nous recevions des représentants du club qui nous ont fait part de leurs sentiments après cette semaine riche à tous les niveaux. Écoutons plutôt le coach de l'US Meral Cossé au micro de Patrick Millan. C'est un séjour émotionnellement qu'on n'oubliera jamais. Ouais. Des échanges avec les enfants autour du stade, en dehors de l'aspect sportif, vraiment. Des échanges extraordinaires avec des joueurs que j'ai pu découvrir, mes joueurs que j'ai pu découvrir d'une autre facette, avec des échanges énormes avec ces gamins-là qui sont plein de vie et sur lequel on souhaite aider à d'un point de vue scolaire et d'un point de vue sportif à bien sûr à grandir par tout ce qu'on a pu vous attendiez à voir Kungu dans cet état ou les villages de Mayotte dans cet état, vous attendiez à voir Mayotte comme ça? Non, pas moi. Non. Pas, je m'y étais pas préparé de cette façon-là. Ouais. Voilà. Vous pensiez plutôt arriver aux Caraïbes? Non, du tout. Non, du tout. Mais je pensais pas avoir autant de pauvreté en fait. Ouais. Honnêtement, voilà. Ça vous a marqué ça? Hein. Ouais. Mais par contre, la richesse humaine est là, par contre. Ouais. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 3 juillet.
Le 30 juin dernier, à New York, une conférence de l'Organisation des Nations Unies a eu lieu sur le thème du terrorisme. À cette occasion, Ahmad Ahmadi, le secrétaire général de la COI, a présenté à la communauté internationale la spécificité de l'Indian-Océanie et de la Commission de l'Océan Indien. Il a également mis l'accent sur l'importance du risque terroriste qui prend selon lui appui sur les zones déstabilisées de notre environnement immédiat, sur l'immensité de notre espace marin et sur la faiblesse de nos moyens militaires, navals et de renseignement. Il a ajouté que l'océan Indien et en particulier l'espace COI est parvenu à contenir et limiter la piraterie maritime dans les 10 dernières années, avant de souligner, je cite, que le risque terroriste est d'une autre nature, plus difficile à appréhender, qui fait peser une épée de Damoclès sur nos sociétés et nos économies qui dépendent du tourisme. Il a conclu son propos en réclamant la venue dans la région d'un haut émissaire de l'ONU. Selon la préfecture, suite à une concertation très largement menée par la direction de la mer Sud-Océan Indien, avec entre autres la CAPAM, le parc naturel marin ou encore l'IFREMER, un arrêté réglementant l'exercice de la pêche a été signé. Il réglemente la pêche professionnelle, la pêche de loisirs et traditionnelle dans un objectif de gestion durable de la ressource halieutique, intégrant également la lutte contre la pêche illicite et la concurrence déloyale faite aux pêcheurs professionnels. L'arrêté rappelle de façon pédagogique des dispositions issues de la réglementation nationale et européenne afin d'accompagner les acteurs économiques dans le développement de leur filière. Dans un souci de simplification administrative, il actualise et rassemble toutes les réglementations locales en un document unique afin de les rendre cohérentes et plus accessibles aux usagers et aux services de contrôle. L'arrêté est disponible sur le site internet de la préfecture. Suite à la mise à jour du calendrier vaccinal national, le réseau périnatal de Mayotte et l'ARS Océan Indien ont organisé une formation destinée aux professionnels de santé sur le thème de la vaccination. Cet événement, qui a mobilisé une 60aine de participants, a été l'occasion de revenir sur la campagne de vaccination qui s'est achevée le 30 juin. Les médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes de Lille étaient conviés à s'informer et échanger sur le nouveau calendrier vaccinal. Ces 2 heures d'information ont permis aux professionnels présents d'échanger, de faire part de leurs interrogations et de partager l'importance d'un accès effectif de la population à la vaccination. La démarche a été appréciée de tous. L'ARS Océan Indien rappelle par ailleurs l'importance d'une bonne couverture vaccinale pour l'ensemble de la population et particulièrement les enfants, afin de prévenir efficacement des maladies graves, parfois mortelles, et qui sont aujourd'hui largement évitables. Santé, toujours avec les vaccins qui ont occupé la une de l'actualité nationale ces derniers mois. Depuis l'augmentation du nombre de vaccins obligatoires, la polémique ne cesse d'être alimentée entre partisans et détracteurs des vaccinations. Ce matin, dans le cadre de la vaccination contre la grippe à Mayotte, nous recevions le docteur Revel. Ce dernier est revenu sur ce débat en mesurant le pour et le contre. Selon lui, si certaines maladies comme la polio ne sont plus présentes à Mayotte, c'est uniquement grâce aux campagnes de vaccination. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. C'est une balance bénéfice-risque. Si vous prenez une population, vous vaccinez 10 millions d'enfants, si vous avez un accident sur 1 million, vous aurez 10 enfants qui seront victimes d'un souci. Sauf que, à contrario, vous avez protégé 9 999 990 enfants. Eh oui, forcément. Voilà. Donc, c'est un risque à peser. Il faut savoir que prenez la non-vaccination. C'est exposé soi-même et aussi les enfants sûr, qui n'ont rien demandé. Je ne souhaite à personne d'attraper la polio. On a un exemple historique. Franklin Roosevelt a développé une polio à l'âge de 35 ans. Et à l'époque, la vaccination n'avait pas lieu. Donc voilà, c'est un risque qui existe. Dénier l'utilité de la vaccination, c'est faire prendre un risque majeur aux enfants et aux adultes. Culture pour clore cette édition. Les vacances d'été sont là et les activités vont faire bouger Mayotte. Le prochain événement inéluctable débute ce jeudi. En effet, le Fescouma promet d'enflammer le chef-lieu durant 4 jours. Au programme débat, Shigoma, Biwi et autres concerts. Le Fescouma est l'événement culturel alliant tradition et modernité à Mamoudzou. Organisé par la mairie du chef-lieu, il est totalement gratuit et se veut une vitrine à l'international. Un sujet signé Noreza Hakim et Leslie Jimenez.
J-2 avant le début du Feskouma. Pour sa 4e édition, le festival va s'étendre sur 4 jours à Mamoudzou. Objectif, réunir toute la population autour de prestations culturelles, mais aussi autour d'artistes venus spécialement pour l'occasion. Et c'est un programme sur mesure que la mairie de Mamoudzou a concocté pour son public. Et Mayotte doit exister. Et nous, on se doit, la ville de Mamoudzou, de taper fort. Et à chaque année, il faut qu'on hausse le niveau. On ne peut pas se permettre de bricoler. Mayotte n'a plus, on n'est plus dans l'ère du bricolage à Mayotte. Il faut hausser le niveau. C'est pour cela et c'est pourquoi on a voulu mettre le paquet ici pour permettre à ce que Mayotte se retrouve dans l'océan Indien. Ce festival a pour ambition de faire valoir les talents mahorais au niveau national et international. Cela commence d'abord par faire venir des artistes de renommée planétaire. Et cette année, c'est le rappeur NASA qui est la tête d'affiche. La tête d'affiche, c'est NASA. NASA. Vous savez, il y a l'équipe de France qui nous fait déjà la pub. Quand vous voyez dans le bus les joueurs qui sont là, N'Golo Kanté, toute la bande en train de chanter qu'il faut mouiller le maillot. Ouais. Et on va le mouiller ce week-end à Mamoudzou. La mairie de Mamoudzou a pour ambition d'étendre ce festival à l'échelle régionale. Et c'est pour donner la chance à tous les Mahorais de pouvoir s'y rendre que ce dernier est gratuit. Nous sommes là pour apporter des moments de fête à notre population. Ouais. Et la population, dans ce cadre de ce festival, ne se limite pas qu'à la population de Mamoudzou. C'est la capitale de Mayotte et on se doit de donner aussi la chance à tous les Mahorais de venir profiter. C'est pour cela que cette fête, elle est tout à fait gratuite. Elle est gratuite. Divers artistes animeront cet événement, comme Daddy Poslim, Siou, Toro Chamou, Goulam ou encore Bako Ali. Et le Feskouma sera complété par l'élection du nouvel ambassadeur de Mayotte le vendredi 6 juillet de 20h à minuit. Toujours place de la République. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infokouezi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h. Avec toute l'équipe de la matinale.